Ben, le printemps, il a fini par arriver quand même, et donc on profite de cette période pour faire du stock de fourrage ben, pour nos animaux l'hiver, entre autres. Donc ben là, je vais vous présenter un chantier d'ensilage. Voilà, j'ai pas filmé chez moi parce que quand on fait un chantier d'ensilage, c'est relativement compliqué d'être sur le tracteur et de filmer en même temps. C'est pour ça que là, j'ai été filmé chez un copain. Voilà, donc bon, derrière moi vous avez mon silo d'herbe, enfin un silo d'herbe, j'en ai un deuxième. Et donc un sentier d'ensilage, comment ça se présente? Bah, d'abord on va faucher l'herbe. On va la laisser sécher pendant 3-4 jours, ça dépend de la météo. Et ensuite, donc c'est le chantier d'ensilage en lui-même. Donc là, c'est une ensileuse avec plusieurs tracteurs et avec des remorques. Donc 3 tracteurs et remorques si le chantier est proche de la ferme, c'est-à-dire 1 km. Si on est plus loin, il faut 4 tracteurs, voire 5 tracteurs. Parce que l'ensileuse, vous allez voir sur la vidéo, n'arrête jamais. C'est-à-dire que c'est une machine qui fait 450 chevaux. Ça coûte un petit peu d'argent quand même, parce que c'est des machines relativement chères et c'est pas des machines qu'on doit arrêter. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on met le nombre de tracteurs en fonction de la distance, de manière à ce que la machine ne s'arrête jamais. Une remorque qui sort du champ, forcément elle s'en va vider à la ferme. Donc vous allez voir que à la ferme c'est l'inverse du champ, il y a un tracteur qui est là pour réceptionner la remorque et étaler l'herbe dans un tas qu'on appelle le silo que vous avez derrière moi. Et donc le tracteur il a deux fonctions, la première c'est d'étaler et de faire le silo, et surtout la deuxième de bien le tasser, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'air à l'intérieur du silo. Si on a de l'air, eh bien on va voir de la pourriture. Donc pour pas que ça pourrisse, faut que le silo soit bien tassé, c'est pour ça que sur le tracteur vous allez voir il y a une grosse masse en béton. Voilà, pour qu'il soit le plus lourd possible. Des pilules, aux philosophies, dis-moi des élégies.
Le silo est terminé, on met une bâche dessus qui est complètement hermétique à l'air et à la lumière, ce qui permet de pouvoir conserver de l'aliment pour les vaches.